Jésus, tu as les paroles, de la vie, acquérions-nous. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. À quelqu'un la question. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? La bonne réponse. Na réponse jibu ya byakweli. Ça sera. Itakuya. Pour que Mungu aone ko mambo yangu. Pour que Dieu puisse voir mes problèmes. D'abord mambo yako. D'abord mes problèmes. Mungu après. Et Dieu après. Et qu'on a kuya kanisa mambo yako. Donc tu viens à l'église à cause de tes problèmes. Mungu abikone wewe. Les problèmes là de Dieu, ça ne te voit pas. D'abord ton problème. Quoi ensemble na mambo yako. Le reste après. Bile bingine binafuata baadaye. D'abord mariage. Quoi ensemble na ndoa. Bingine bile bifuate. Les autres là vont suivre après. D'abord. Mais lakini upende Mungu. Tu aimes beaucoup chanter. Unapenda kuimba. Mais tu n'aimes pas Dieu. Mais lakini upende Mungu. Mais pour que Dieu te donne ce que tu as besoin. Tu ya Mungu akupatie kile uko na kila siku. Pour que tu puisses l'aimer. Inafai mbele mupende. C'est pourquoi les apôtres. Les apôtres. Ba mitume. On a accepté la décapitation. Barichika kuba uwa. Dis-lui merci. Mtakatifu iko hapa sema asante. Dis-lui merci. Sema asante. Dis-lui merci. Sema asante. Malgré les problèmes. Hata uko na mambo. Dis-lui merci. Sema tu asante. Dis-lui merci. Sema asante. Pour cette grâce. Wa inema. Merci. Marika sakilia. Rebaite la isande glas. Lore ma soche. La bria tali as tu de gens. Reba mama ya saka ya mama. Gando lo santa mama ne canta varia. Reblita la bria sita. Reblita li as tu de pas. Remene te la mandele cas. Mandele canta la baya saka ya. Rebo shaka mali klaso de paz. Rebli talaya. Rebelo sa de paz. Eke riaba yesute. Eme di pare lo saide. La rema de paz. Raite lo ya. Ya sote mas. Mali klas ta de paz. Merci Seigneur Dieu tout puissant. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour épanoui au milieu de nous. Merci pour tes bienfaits, Père éternel. Yahweh, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et nul n'est comme toi, Père. Tu es le maître du temps et des circonstances. Malgré les temps que nous passons, malgré les moments que nous passons, nous te disons merci. Parce que tu nous as épargné dans tant de problèmes, dans tant de maladies. Allô, ça n'est pas les gars. Et que la matérie, il laisse tout le pas de l'île. L'or est faux des gars. Merci, Kaya Boy. Merci, Seigneur Dieu pour ça. Ok, j'ai pris. Éternel Dieu Tout-Puissant. Je dédie toute la salle entre tes saintes mains. Viens et veille sur nous. Règne au milieu de nous. Parle-nous. Console-nous. Ô Père, saisis tous mes mouvements, toutes mes émotions. Fais de moi un instrument au milieu de ton peuple. Que ta grâce soit totalement au milieu de nous. Et que ta force, Père, puisse régner à jamais. Précieux Saint-Esprit, je te donne tous ces moments. Viens et domine à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je remercie d'abord le bon Dieu. Na pikia sante Mungu wangu. Pour cette grâce qu'il nous a encore offert. Kwa hii neema tena natukaburia. D'être encore vivant ce matin. Mashie tena kuyabajima asubuhi ya leo. Ce n'est pas parce que je suis si c'est comment. Aina kusema njuni ko namna kani. Mais c'est par sa grâce. Mais lakini nakuya tu kwa neema yake. Nombreux sont morts. Bantu ba mingi banakufa. Nombreux ont réussi si c'est quoi, si c'est quoi. Bengine walipata mambo ya kuachana chana. Mais nous. Lakini shie. Nous sommes encore en vie. Tuko tena bajima. Non, il faut au moins avoir cette marque de reconnaissance. Na inafai kuya na ile kutambua. Parce que corona a tué beaucoup de personnes. Kwani corona iliua bantu ba mingi. Mais toi tu n'étais pas contaminé par ça. Mais weye Mungu alikuchunga juu ya ile. Il y avait Ebola et d'autres là. Kuya ma Ebola na bintu bingine. Mais toi toujours vivant. Mais lakini wewe uko paka mujima. Il y a tant d'accidents. Kuko. Il y a tant d'accidents. Muko mo accident. Il y a beaucoup d'accidents. Huko accident ya mingi. Mais toi tu es toujours là épargné. Mais lakini wewe beko na kuweka pembeni. Ce n'est pas parce que tu es beau. Aina kusema njuku mzuri. Ce n'est pas parce que tu es saint. Aina kusema njuku mtakatifu. Mais c'est simplement par sa grâce. Mais lakini nakuya tu ni neema yake. C'est simplement par sa grâce. Nakuya tu ni neema yake. Ta famille est en bonne santé. Jamaa yako iko mu. C'est simplement par sa grâce. Ni kwa neema tu ya Mungu. Même si tu n'avais pas mangé. Hata kama ukukurie. Mais tu es vivant. Mais lakini uko mzima. Il y a d'autres qui ont fait ces deux semaines avec la faim. Kuko bengine wanafanya des semaines na njala. Sans manger. Bila kuria. Mais toi. Lakini wewe. Même si tu fais un jour seulement. Hata unafanya siku moja bila kuria. Il faut lui dire merci. Nafai kusema asante. En prison. Mugereza. Il y a beaucoup d'innocents là. Kuko bengine benye kufungwa kwa shipo mambo. Mais toi. Mais lakini wewe. Tu n'es pas en prison. Hauna mugereza. Ce n'est pas que tu le dépasses. Awapite hapana. Mais toi tu es épargné. Mais lakini wewe uliwekewa pembeni. C'est simplement par sa grâce. Ni kwa neema tu yake. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Napasha kutambua ile neema yake. C'est simplement par sa grâce. Nikupitia tu neema yake. Alléluia. Amen. Je remercie papa pasteur. Apikia asante wa mchungaji. Et tous les collègues des serviteurs. Na bakuwa bote batumishi. Pour cette grâce que nous a encore offert. Kwa neema tena hii bana tukaburia. D'être ici devant. Kwa sheku ya kukumbele. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse papa. Mungu amibariki. Et je remercie particulièrement aujourd'hui je vais remercier particulièrement maman pasteur. Na leo mita pikia aksante kwa upeke maman pasteur. Parce que je ne sais pas le mardi il y avait beaucoup de mamans ici. Kwani msijue siku ya pili kulikuwa pa mama ba mingi. Maman avait prêché. Maman rubiri. Bon, vous pouvez vous demander où est-ce que j'étais? Je n'étais pas ici, j'étais derrière. Nilikuwa ku Mkongo. Mais j'avais entendu la prédication. Lakini mirishikia maupiri. J'étais vivement touché par ça. Na mirikuya pale mirigusiwa. Mais peut-être celle-là qui était ici. Sa singine bale barikuya umundani. N'ont pas vu même l'importance de cette prédication. Apa kuona ta mafaya ile maupiri. Mais moi j'étais là dehors. Mie mirikuya inje. Maman que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki maman. Et qu'il augmente encore l'onction sur vous. Na aongeze tena upako juu yenu. Amen. Amina. Depuis le jeudi, tangia siku ya ine, nous avons prêché sur un thème tirubiri juu ya kishina moya, qui avait dit kirisema talita kumi, tabita kumi, talita kumi. Ou soit jeune fille, lève-toi, je te le dis. Wala munamna ingine mwanamuke la muka. C'était la parole de Jésus. Il est rikuya ni sauti ya Yesu Kristo. Et c'est là qui était là. Na pale barikuya pale. Était béni. Baribarikiwa. Mais aujourd'hui, lakini leo, j'ai un thème aussi particulier. Miko tena na kishina kia upeke. Un thème que j'aime bien. Na kile kishina na kipenda tena mzuri. Oui, et je peux dire que c'est un thème de mon ministère. Na minawezi kusema mnamna ingine ni kishina kia uduma yangu. Notre thème de ce matin, kishina kia asubuhi ya leo, nous dit, kinasema, d'abord Jésus le reste après. Bado mbele Yesu Kristo na ibi bingine badaye. Amen. Amina. D'abord Jésus le reste après. Kwanza Yesu Kristo na ibi bingine binafuata baadaye. Non non, tu peux dire à ton voisin d'abord Jésus le reste après. Unaweza kuambia ule kompembeni yako bado biote Yesu Kristo mbele. D'abord Jésus le reste après. Yesu Kristo mwanzo na ibi bingine binabakia baadaye. Non non, d'abord Jésus la sortie après.
Kwanza na Yesu Kristo na kutoka baadaye. D'abord Jésus mangeait après. Kwanza na Yesu Kristo na kuria baadaye. D'abord Jésus chantait après. Kwanza na Yesu Kristo na kuimba baadaye. D'abord Jésus Kwanza na Yesu Kristo marchait après. Na kwenda na mikulu baadaye. D'abord Jésus D'abord Jésus. Kwanza Yesu Kristo. Allez chez toi après. Na kwenda kwako baadaye. C'est d'abord Jésus. Kwanza hapo mbele na Yesu Kristo. D'abord Jésus. Kwanza na Yesu Kristo. Hosanna. Hosanna. D'abord Jésus, le reste après. Kwanza na Yesu Kristo na bingine binafuata baadaye. Et dans ce thème, na muhiki sina, je vais au moins le je vais prêcher ce thème avec un sous-thème. Et je vais commencer par le sous-thème pour au moins conclure avec le grand thème. Le sous-thème nous dit fuyez l'idolâtrie. Amen. Amen. Fuyez l'idolâtrie. Nous allons comprendre pourquoi j'ai mis tout ça en tête. Je vais d'abord donner les passages bibliques. Mita leta mustari. Mais il y a beaucoup de passages, mais celui-ci on peut les lire et je vais ajouter d'autres. Na kuko bitabu bya mingi ibitu abisoma na bingine tutaongeza. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. 36 à 38. Si on peut nous lire. Matthieu chapitre 22, les versets 36. À 38, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. 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 On peut s'asseoir? Je disais, le sous-thème c'est fuyer l'idolâtrie. Et le grand thème c'est d'abord Jésus, le reste après. Et on vient de nous lire dans Matthieu. Je vais d'abord définir qu'est-ce que l'idolâtrie. C'est aimer un autre Dieu que le vrai Dieu. Ni kupenda miungu ingine par rapport à huyu Mungu mzima. Ou aime l'amour exagéré. Wala mapendo ile ya kupitisha. C'est ça l'idolâtrie. Ile inakuya mapudu. L'idolâtrie ce n'est pas nécessairement avoir une statue là et commencer à se prosterner. Na kuabudu masanamu haina paka kuya na nkishi unaanza kunjama pale. Peut-être il y a de ces gens là que nous moquons avec des gens qui se prosternent là si ça domaine. Peut-être ça singine tout qu'on a zara ou balé bantu mais qu'on a apudu bile biko kule ku domaine. À part ça, il y a plus d'idolâtrie même dans l'église. Oui, ça il est kuko ku apudu masanamu ku ingine hata ndani ya kanisa. Vous savez quoi? Munachua nini? Bon, aujourd'hui je vais marcher petit à petit. Na leo mitatembea pole pole. Si le diable veut te faire tomber dans l'idolâtrie, il ne doit pas venir comme nous voyons le diable sur le dessin avec des cornes comme ça. Celui-là, ce n'est pas le diable. Le diable vient dans la chose que tu aimes tant. Anakuya ni mubile bintu napenda sana. C'est ça le diable. Nula nakuya diabolo. Il ne peut pas venir avec les cornes. Ashinda kuya na ile masengu. Il vient comme ça. Mais kama nakuya file. Il ne peut pas l'accepter. Aousta mwichika. Il faut qu'il puisse venir dans la beauté. Inafai akukuye mubisuri. D'ailleurs le diable c'est un beau gars. Nakule diabolo anakuya mutu mwa mzuri sana. Oui, je peux même vous choquer. Ici sur la terre. Minaweza hata kumigusa hapa chini ya bulongo. Le diable est le plus beau. Shetani anakuya mutu mwa mzuri sana. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Lorsque Jésus était ici. Wakati Yesu Kristo alikuya hapa. Il était tellement laide. Alikuya ashikuwa mzuri. Il n'était pas beau. C'est que hautaweza kumuona kumacho unamutamania. Tu ne peux pas le voir comme ça au visage. Il était vraiment laide. Alikuya mubaya sana. Mais le diable
Mais la kini shetani, c'est la beauté parfaite. Arikuya musuri sana. S'il y a quelqu'un qui se souvient lorsque j'avais prêché sur la chute de Lucifer, j'avais expliqué qui est Lucifer. C'est quelqu'un de plus beau. C'est comme ça lorsqu'il vient chez toi. Dieu, il ne peut pas avoir les cornes. Il doit venir dans la beauté. Pour que tu puisses l'aimer. Parce que les choses belles, on les aime souvent. C'est pourquoi dans le jardin d'Eden, lorsqu'il est venu vers Ève, il lui avait dit de tant de choses. Mais la Bible nous dit, la Bible la tuambia, Eve a vu le fruit. Eve ariona dile tunda. Que c'était vraiment bon à manger. Na ilikuwa mzuri kuikuria. C'était vraiment bon. Ilikuwa mzuri sana. Il ne peut pas venir dans la chose qui est vraiment mauvaise. Achene kujingisha mukintu kile kiko kibaya. Il est toujours dans la chose que tu vas apprécier. Mais lakini akona jingisha mukintu kile unaweza kufurahikiwa. Quand on dit en français. Je kwamba nasema mukifaransa. Tout ce qui brille. Kile kyote kiko na ngala. Ce n'est pas nécessairement de l'or. Aina paka or. Amen. Amina. C'est ça le diable. Ula nakuya diapulo. Il vient dans la beauté. Anakuya mubisuri. Et lorsqu'il veut te faire tomber dans l'idolâtrie, na wakati anapenda akuangusha mukuabudu masanamu, il doit venir dans la beauté. Anapasha kuya paka mubusuri. C'est pourquoi tu peux constater. Tu as quoi motaona ille? Tu aimes mieux chez toi. Unapenda sana kuako. Plus que Dieu. Kupita Mungu. Si tu es chez toi, kama uko kuako, tu es à l'aise, uko bien. Tu peux faire même toute une semaine. Unaweza kufanya hata juma yote mzima. Sans venir à l'église. Bila kufika pa kanisa. Parce que chez toi, kwani kwako, tu es à l'aise, uko bien. D'abord Jésus le reste après. Kwanza na Yesu Kristo na bile biote binafuata baadaye. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbie kuabudu masanamu. Notre deuxième passage biblique. Nous sommes dans Exode 34, verset 14. Tu comme kitabu ya Exode 34, le verset 14. Exode chapitre 34, le verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. 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 L'Éternel est un Dieu jaloux. Mungu wa milele Mungu anakuya Mungu wa chuki. C'est pourquoi tu peux voir. Dieu a kwamba utaona. Si tu viens à l'église de surtout dans le moment de la prédication. Wakati unakuya ukanisa wakati ya maupiri. Tu commences à dormir. Unaanza kulala. Ça t'intéresse pas. Au angalia na bila binyebeko na upiri. Tu aimes bien chanter. Unapenda kuimba. Tu aimes bien manger. Unapenda mzuri kuimba. Unapenda mzuri kucheza. Mais tout ça d'abord ça, mais pour la parole non. Wewe unapenda mbele bile, mais tu ya sauti ya Mungu unakatala ile. Qui est la parole, c'est Jésus. Na ninani sauti na sauti anakuya Yesu Kristo. D'abord Jésus. Bado Yesu Kristo. Le reste après. Na bile binafuata baadaye. Pourquoi j'avais dit? Najua kwamba mirisema. D'abord Jésus. Bado Yesu Kristo. Chanter après. Tuimbe baadaye. D'abord Jésus. Kwanza na Yesu Kristo. Danser après. Na tucheze baadaye. D'abord Jésus. Kwanza na Yesu Kristo. Dire après. Na tutoke baadaye. Mais tu aimes. Na wewe unapenda. D'autres choses. Vitu bingine. Plus que Dieu. Kupita Mungu. Plus que Dieu. Kupita Mungu. Il s'appelle un Dieu jaloux. Anajita Mungu wa puivu. Dans la version parole vivante. Mu kitabu ya parole vivante. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Il s'appelle. Anajita. Un Dieu exigeant. Mungu wa ma exigence. Il exige. Eko na exige. C'est-à-dire d'abord lui. C'est pourquoi on nous a lu dans les premiers passages. Et tu as comme Marie Tussomé, qui t'a dit quoi? Que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Yakusema utapenda wa milele Mungu. De tout ton cœur. Na roho yako yote. De toutes tes pensées. Na mawazo yako yote. C'est-à-dire de toute ta vie. Nikusema maisha yako yote mzima. De toute ta force. Na nguvu yako yote. Tu l'aimeras toujours à lui. Utamupenda paka yeye Mungu. C'est bien lui qui exige. Ni yeye anakuwa na exige. Il exige ça. Analeta ile rusa. Il te force ça. Anakupatia ile anakuforcer.
Il dit, je suis un Dieu jaloux. Anakuambia kusema niko Mungu wa pwivu. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que Dieu. Awene kupenda kazi yako kupita Mungu. Tu ne peux pas aimer ça. Awene kupenda ile. Avec cette mauvaise interprétation de la Bible. Na ile kutafsiri kubaya kwa Biblia. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Wa ula situmike asigure kamwe. Ce n'est pas comme ça qu'il est écrit dans la Bible. Aina vile banachikia mu Bible. Lorsque le diable déforme quelque chose. Wakati diabulo anakuambia kitu mafulani. Ça devient directement bizarre. Kinakuya kiapule. Si tu peux lire dans 2 Thessaloniciens. Kama unaweza kusoma mkitabu ya 2 Thessaloniciens. Chapitre 3 verset 10. Chapitre 3 le verset 10. C'est là où on nous dit de cela. Nikule bana tuambia ile. La Bible ne nous dit pas si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Biblia tuambia kusema kama utumika ukure hapana. Mais la Bible nous dit. Mais lakini Biblia inatuambia. Celui qui ne veut pas travailler. Kwa ule asipende kutumika. Ne mange pas. Ashita kuria. Ce n'est pas celui qui ne travaille pas. Aina kusema ula situmike. C'est des choses différentes. Kibitu biwili byenye kwa chana. C'est-à-dire le travail est là. Ni kusema kazi iko pale. Tu ne veux pas travailler. Mais wao upenda kutumika. Tu ne dois pas manger. Au stakuria. Mais lakini si tu ne travailles pas. Kama utumike. Tu dois manger. Utakuria. C'est ça la Bible. Jo Biblia ile. D'abord Jésus. Kwanza na Yesu. Le reste après. Na hivi vinafuata baadaye. Tu aimes ton travail plus que Jésus. Wao unapenda kazi yako kupita Yesu. Ton travail devient ton idole. Na kile kazi inakuya sanamu yako. Toi donc dans ton travail tu es à l'aise. Donc mon kazi yako uko na salama. Tu peux travailler toute la journée. Unaweza kutumika journée de mushiba. Mais pour prendre 6 et 3 heures de temps c'est dimanche comme ça. Tu as kubeba madaka tatu. Tu es là en train de dormir. Uko pale uko na lala. Je regrette tellement. Biko na regrette sana. Mais celui que tu es venu chercher ici. Ule ulikuwa kutafuta hapa. Il te passe ton travail. Anapita ile kazi yako. Parce que c'est bien lui qui te donne la force de travailler. Wewe ni yeye anakupatia ile nguvu ya kutumika. Tu peux aimer ton travail. Tu ya nini utapenda kazi yako kupita Mungu? Kupita Mungu. Pourquoi ça? Tu ya nini ile? Ah, c'est là ça devient ton idole. Ni kule kuna inakuya sasa sanamu yako. Ton travail devient ton idole. Ile kazi yako inakuya sanamu. Ta maison devient ton idole. Nyumba yako inakuya sanamu. Oui, je vais parler. Ta maison devient ton idole. Nyumba yako inakuya sanamu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen que j'avance? Est-ce que kumutu mwana wesi kusema ko amen tena nyendeleye? Il y a de ces gens là qui aiment leur maison. Kuko bantu bale banapenda manyumba yabo. Plus que la maison de Dieu. Kupita nyumba ya Mungu. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un. Je kwamba taona mtu. Il mange les biscuits. Eko na kuria biscuit. Il prend les sachets, il jette dans l'église. Anabeba ile sachet anaitupa mkanisa. Mais chez lui. Kama iko kwake kunyumba. Il ne peut pas faire ça. Ashene kufanya ile. Parce que la maison Dieu non. Donc kunyumba yake anaheshimia mimi nyumba ya Mungu anezarau nikutupia mabuchafu. Il jette tout. Nikutupa vyote. Il peut aller là aux toilettes. Anaweza kwenda kule kumkongo huko. Il fait au moins ses besoins. Anapama besoin yake. Il laisse toujours comme ça. Anaacha paka vile. Mais si c'est chez lui. Mais kama ni kwake. Il va vraiment arranger. Atatengeneza ile na soin yake yote. D'abord ta maison. Bele nyumba yako na kukanisa baadaye. Tu mets Dieu en deuxième position. Unaweka Mungu mstari ya pili. Tandis que c'est bien lui qui t'a donné cette maison. Kwani ni yeye alikupatia ile nyumba. Tu peux dire que j'avais au moins beaucoup travaillé. Non, s'il ne t'avait pas donné la force, tu ne pouvais pas travailler pour avoir ça. Unaweza kusema ulitumika sana njoo na yenga nyumba, mais kama Mungu asikupatie ile nguvu akufie kuyenga ile nyumba na akufie kutumika. Tu aimes bien ta maison. Unapenda mzuri nyumba yako. Mais pour arranger l'église. Mais lakini tu ya kutengeneza kanisa. Il faut qu'on puisse venir te chercher s'il te plaît, viens t'orchonner. Il a failli bien la kutafute. Aide-nous à faire ceci. Aide-nous à faire cela. Kwa kolopa ukanisa pana. D'abord chez toi. Bele kwako. L'église après. Na kumisho na kuya baadaye. Tu peux voir quelqu'un casser la chaise de l'église. Kutaona mtu anafunja kiti cha kanisa. Il est à l'aise. Ah, eko ustare. Mais pour à la maison là. Kama eko kunyumba kule kwake. Si la chaise se casse. Kama kiti kinafunjika. Elève la pressée. Ana kila chaise. Ana kinyangula ile na usuni yote kichi kinakuchika. Mais pour l'église que non. Mais juu ya kanisa. Ça c'est pour l'église. Hakuna tena kuregrete kinikia kanisa batauza au kanisa. D'abord ta maison.
Una esimia mbele nyumba yako. Dieu après. Na Mungu baadaye. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbie masanamu. Que ta maison ne soit pas une idole. Nyumba yako shikuye sanamu. Il a dit. Anasema. Aimez l'Éternel ton Dieu. Penda wa milele Mungu Mungu wako. De tout ton cœur. Na roho yako yote. De toutes tes pensées. Na mawazo yako yote. De toute ta force. Na nguvu yako yote. Tu peux voir quelqu'un. Unawezi kuona mtu. S'il s'agit de son boulot. Tu kama inafanya juu ya kazi yake. Si le boulot commence à 7h juste. Kama kazi iko naanza mu 7h juste. Il est là à 6h30. Eko pale 6h30. Mais à l'église on nous a dit 8h30. Mais lakini ku kanisa wanasema 8h30. Il vient à 10h30. Yeye anakuja 10h30. D'abord son boulot. Eko ku kazi. L'église après. Kanisa baadaye. D'abord son boulot. Bado kazi yake. L'église après. Kanisa baadaye. Tu peux voir quelqu'un qui travaille toute la semaine. Utaona mtu anatumika chuma yote mzima. Encore avec bidi. Na ile zali yote. Mais pour venir dans les rencontres de la semaine. Chuya kuya kutana kumakutano ya mchuma. Au moins qu'on puisse venir les supplier. Inafai kwenda kumlomba. S'il te plaît kuyako kukanisa. Viens seulement à l'église. Viens à l'église. Pour ton travail, il n'y a personne qui vient te supplier. À l'église, c'est Dieu qui te donne la force d'aller même au travail. Mais kukanisa, nous le monde n'a pas tiré nguvu ya we kwenda kukazi. Mais tu mets d'abord ton travail en première place. Mais lakini unabeba kazi yako na weka watu wa kwanza. Na kanisa baadaye. Il a dit. Anasema. Je suis un Dieu jaloux. Biko Mungu wapifu. Qui est un Dieu jaloux? Nani ule Mungu wa pwivu? Il peut tirer seulement ton idole là. Anawezi kuwa mbele ule sanamu wako. Pour que tu puisses commencer à venir à l'église. Juu ya wewe aweze kuja kukanisa. Oui, il est capable de prendre ton travail là. Eko na ile uwezo wa kubeba ile kazi yako. Pour que tu puisses commencer à venir à l'église. Juu ya wewe aweze kuja kukanisa. Il est capable. Eko na ile uwezo. De détruire ta maison là. Ya kuharibisha nyumba yako ile. Pour que tu puisses commencer à venir à l'église. Juu ya wewe aweze kuja kukanisa. D'abord toi, Dieu après. Bado mbele wewe unajanzi hapo na Mungu baadaye. Tu peux faire toute la semaine sans te dire rien à la maison. Unawezi kufanya juma yote mzima kunyumba abifanye kitu. Et nous avons des idolâtres du dimanche. Na tuko na bale ba kuabudu masanamu ba majuma hivi. Ye dimanche doit na kwa kutuimbia. Lui le dimanche il vient seulement chanter. Dimanche doit na kwa kutuchezea. Le dimanche il vient seulement danser. Dimanche doit tout piquer cabello. Le dimanche il vient avec le cabello. Dimanche doit tout varier à ville. Le dimanche il porte comme il veut là. Même semaine à tout connaître. Dans la semaine on te voit. L'idolâtre de dimanche. L'idolâtre. Fuyez l'idolâtrie. Il est où sanamu. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez le kuabudu masanamu. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez le masanamu. D'abord Jésus. Adombele Yesu Kristu. Le reste après. Na ibi biote binafuata badaye. Tu parles au don à ton honnête monde. C'est là où tu peux voir qu'on dit à une personne. Tu as quoi mota skuta kunambia muntu. S'il te plaît viens à la JPM. Tunamusiplier kuya ku JPM. Parce que non, mais à toka mu misa quand même. Il te dit non, moi je viens de quitter l'église, non? Je viens d'abord qu'on puisse me dresser. D'abord les cheveux. Après. Et le reste après. D'abord les cheveux. Et Jésus après. Même dans la JPM, il faut qu'on vienne te supplier. Là où tu vas aller te dresser. Peut-être un peut-être en cours de route, on peut te faire des choses. Mais c'est lui qui t'épargne dans tout ça. C'est Jésus, c'est Dieu. Mais le Dieu là, tu viens de lui donner des choses. Mais toute la semaine, il est à l'aise à la tu maison. Tu es à l'aise, où qu'on laisse pas. Tu es à l'aise à Ujishanga, Ishe na Mungu. Oui, je ne dois pas crier. Si t'as la lamica. Bon, je continue, j'ai dit ceci. Il y a d'autres Kuko bantu bengine qui sont idolâtres des reçois. Beko mabudu wa masanamu. Des reçois, soyez bénis. Ya kupokea mabaraka. Des reçois. Kupokea. Soyez bénis.
Barikiwa. Mais comme je ne dis pas reçoit, mais ça veut dire que il n'y a pas même d'acclamation. Parce que c'est d'abord Jésus. D'abord Jésus. Reçoit après. D'abord Jésus. Reçoit béni après. Barikiwa badaye. D'abord Jésus. Fuyez l'idolâtrie. La bénédiction peut être ton idole. Baraka inawesku ya sanamu yako. Si je peux poser à quelqu'un la question. Binawesikuliza mtu moya. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Tu as nini kunakuya kukanisa? La bonne réponse. Na réponse jibu ya byakweli. Ça sera. Itakuya. Pour que Mungu aone ko mambo yangu. Pour que Dieu puisse voir mes problèmes. D'abord mambo yako. D'abord mes problèmes. Après. Et Dieu après. Donc tu viens à l'église à cause de tes problèmes. Et les problèmes là de Dieu, ça ne te voit pas. D'abord ton problème. Le reste après. D'abord mariage. Les autres là vont suivre après. D'abord ne pas la même coûte. Et d'abord que je puisse trouver l'argent. Et le reste là après. Les idolâtres de l'argent. Ah bah poudou ma sanamu ya makuta. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu as comme ta ona mutu ako na makuta ya mingi. Mais n'a jamais venu offrir ici. Mais ashia kuyaka kutoa huku. Mais il pense dire. Anawezi kuchambia. Je n'ai rien. Bishina na kitu. Mais s'il sort. S'il sort. Comment natoka? Il parle à donner si ça sort. À sa copine. Anenda anacha kwa bala yake. À son copain. Kwa bala yake mwanaume. D'abord son copain. D'abord mbele à bala yake. Ya Mungu après. Pour le Dieu après. Ya Mungu après. Ce qui concerne d'abord le Dieu après. D'abord il m'a pas dit. Et je dois d'abord donner à lui. Ya Mungu après. Et Dieu après. C'est pourquoi même cette prédication de venez offrir s'il vous plaît. Na ima upiri ya kuya kubena ku omba huruma juu ya kwa kutoa. Ça ne pouvait pas être même la prédication. Aene kuya tema upiri. Si tu reconnais tellement. Kama unajua tu wewe mwenyewe. Que l'argent que tu as là. Kwani ile makuta uko nayo. C'est Dieu qui t'a donné. Ni Mungu alikukaburia hayo. La force que tu as là. Ile nguvu uko nayo. C'est Dieu qui t'a donné. Ni Mungu alikukaburia hayo. Tu ne pouvais pas venir te dire que viens offrir. Aene kwa kuambia sema kwa toa. Pour offrir, il faut l'exhortation. Tu as quoi écouter, il faut va exhorter. Mais pour manger, on ne t'a jamais exhorté. Mais tu as quoi kunyumba bakuyaki ata kuambia kintu. Même la nuit, tu n'oublies pas la bouche. Ata bushiko mukongiza ya Dieu. Au sasa bu bakinwa. Mais pour offrir pour Dieu. Mais tu as kutoa tu ya Mungu. Il faut t'exhorter. Il faut bakueba kushubudishe. D'abord toi. Unaanzia hapo mbele wewe mwenyewe. Dieu après. Na Mungu namweka kumkongo. D'abord toi. Unaanza na wewe. Dieu après. Mungu kumkongo. Il y a d'autres qui peuvent venir à l'église. Juste pour chanter, danser, c'est tout. Tu ya kuimba na kucheza kunaishi. Tu peux danser. Unawezi kucheza. Ce n'est pas que tu aimes Dieu. Aina kusema unapenda Mungu. C'est parce que c'est le mouvement. Kwani nakuya tu ni kutenga. Tous nous sommes là. Kwani shebo tatuko mule. Le diable aime les choses qui font plaisir. Na shetani na yeye kubindu bila biko na mufurahisha. Aime les choses qui font plaisir. Eko napenda bila bindu biko na furahisha. Parce qu'il est beau. Kwani yeko mzuri. Je répète. Mina luria. C'est quelqu'un qui se cache dans la beauté. Ni mtu eko na jifuchamisha mu bindu bizuri. Tu vois la chaise beauté bien. Tu vois voir que tout le monde danse bien là. Ça c'est la beauté de ma Christ. Ah tu vois que tous sont des chrétiens. Mais pas mon Coran là mule. Mais dans le Coran là bas. Pas qui concerne. Si y a un problème. Ta mufula Yesu. Je vais habiller des habits de Dieu. Et je vais te donner le coup. Pas comme ma Coran là mule. Toujours dans le Coran. Pas comme ma Coran. Dans le Coran là. Kukotko. Kuka huyu frère. Il y a un frère là. Anatoka na huse. Il quitte avec une sœur. Huyu conducteur. Il y a un conducteur là-bas. Anatoka na huyu. Il quitte avec quelqu'un d'autre. D'abord danser. D'abord danser. D'abord kwanza mbele kucheza. D'abord danser. Kwanza mbele kucheza. Et chanter. Na kuimba. Le reste après. Ah, hivi vingine vinafuata baadaye. Na kumwamini Yesu après. Même croire à Dieu après.
Fuyez l'idolâtrie. Vous chikuya kodwa kucheza tu. Ne soyez pas ici pour danser seulement. Mais papa cha mupenda ule wa cheza. Il faut aimer celui que tu danses. Il faut aimer. Tu n'as pas pas kupenda. Il faut l'aimer. On n'a pas ça kumupenda. Ba kucheza ba ku exhortage. Pour danser, on ne peut pas t'exhorter. Mais pour venir dans la semaine à l'église, il faut qu'on puisse venir te voir. S'il vous plaît, chorale. La chorale, venez. Venez chanter dans la semaine. Il vient comme il veut. Il vient avec la vérité. Il fallait qu'on lui donne de l'argent. Mais la force, il a de marcher. Il ne paye ça jamais. D'abord toi. Et le reste après. Bien. Fuyez l'idolâtrie. Même danser, ça doit être l'idolâtrie. Tu peux danser comme ça. Parce que c'est un mouvement de tout le monde. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si il y a un problème là-bas. Tu vas abandonner ça. Parce que toi, en première position, c'est chanter. S'il y a un problème, tu vas abandonner ça. Tu ne sais pas à qui tu chantais. C'est pourquoi d'abord toi. Tu as quoi, Mambele? Ouais. Le reste après. Tu peux faire même un mois à la maison. Tu ne t'inquiètes même pas. Quel manque de reconnaissance. Tu t'es réveillé comme ça. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde. Qui sont réveillés. Mais lorsque tu bouges même les chemises comme ça. Mais quand ils ont atteint cette chemise, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas être ingrat. Après, un grand. Il faut être reconnaissant. Parce que Dieu, c'est bien lui qui te donne la force. Parce que Dieu, c'est bien lui qui t'a réveillé. Pourquoi tu es un grand comme ça? Il y a d'autres. Au moins si on lui dit que c'est toi qui dois travailler le dimanche. Bana moi siku mwambia sema kama ni wewe utatumika dimanche, wewe ndio utatumika dimanche. Asema buko bantu ba mingi mule leo watenda nyoro. Ai hapo ku déjà là-bas on va me voir. Idolâtre ya bantu. Ni kuabudu masanamu kule. L'idolâtre des personnes. Ni kuabudu bantu. Mais si tu aimes Dieu. Kama unapenda Mungu. Kile ile personne. Kukuye bantu. Ou bien les bandits. Voilà ma boussale ouasi. Toi presse. Ouaya oubiri. Toi presse. Ouaya oubiri. Parce que tu ne presses pas pour ces gens. Ouani a oubiri tu y a pas les bandits. Mais tu presses pour Dieu. Mais où qu'on a oubiri tu y a Mungu. D'abord Jésus. Kwanza na Yesu Kristo. C'est pourquoi je ne peux pas venir te donner des prédications de flatterie. Michene kwa kupatia maupiri ya ukulanda kulongofia. D'abord ce qu'il me dit de te dire. Mec, mina paso kwambia mbe kila na nyambia ni kwambie. Le reste après. Na bile bingine badaye. Bile bingine utabipata après. Le reste tu vas recevoir ça après. Je dois d'abord te dire ce qu'il m'a dit. Kama la nyambia sema. S'il m'a dit. Que fuyez l'idolâtrie. Kukimbia mabudu. Masanamu. Je vais te prêcher si fuyez l'idolâtrie. Na mita kubiri tu ya kukimbia masanamu. Il y a les idolâtres de l'ivrognerie. Kuko balebe kona budu mpombe. Il est vraiment ivrogne. Yeni mulevi tu. Il vient ici à l'église. Kama nakuya kukanisa. Il se voit saint. Anajifanya kuya mutakatifu. D'ailleurs, qui est-ce que tu caches? Uko nafuchamisha nani? Dieu est avec toi. Mungu eko na weye. Là où tu pars. Pale poto kona pita. Il est là. Eko pale. Là où tu marches. Pale poto kona tembea. Il est là. Yeko pale. Dans ton cœur. Ata muroyo yako. Il est là. Eko mule ndani. Qui est-ce que tu caches? Na uko nafuchamisha nani? Tu aimes bien l'ivrognerie. Ula la penda mzuri kunya pombe. Plus que Dieu. Kupita Mungu.
Dieu te dit que l'ivrognerie c'est un péché. Vous voulez avancer des ressentiments. Vous avancer ma marquima yako. Il te dit même ta conscience te reproche que c'est un péché. Pourquoi ça? Pourquoi tu ne peux pas venir avec une bouteille de whisky ici? Tu commences à voir seulement si c'est bien. Tu commences à voir. Tu as nini? Unashinda kuya na kale kanchupa koka whisky. Unakuya nako mkanisa pake vitu kuna ubiru kone kaka mumikulu paka vile mnetwe kaka. Unakunya. Nini pampeshe? Mati kasha la. Lakini uko nafuchamisha hile. Tabora sa. Na unawansa mbele bile. Le reste après. Na hili vingine badaye. Les idolâtres de l'impudicité. Bale beko na budu busharati. Ils sont là. Beko wapa. Même dans l'église. Atandani ya kanisa. Oui, ils sont là. Beko umundani ya kanisa. Même dans l'église. Atandani ya kanisa. Parce que son compère. Kwani rafiki yake kama bala yake. Lui dit, viens d'abord chez moi. Ah, nasema kuya mbele kwangu. Elle se cache là. Anajifuchamisha kule. Elle part. Anenda. C'est comme si personne ne lui voit. Inakwesa vile mtu atamo ya Shimone. Elle accepte d'abord les paroles de son compère. Anaichika mbele misemo ya bala yake. Plus que Jésus qui lui dit. Kupita Yesu Kristo ule namwambia. Que l'impudicité c'est un péché. Usharati ni zambi. Je ne cesserai jamais de prêcher ça. Ah, si ta chaka kamwe kubiri hii mambo. Je vais prêcher. Mita ubiri. L'impudicité. Usharati. C'est un péché. Inakuya zambi. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbia ile mabudu masanamu. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbia kuabudu masanamu. Même si c'est ton fiancé. Ata kama ni mchumba wako. Même si c'est ta fiancé. Ata kama ni mchumba wako. Même si vous n'êtes pas encore marié. Kama muyao amuyao wana officiellement. Si vous pratiquez les relations. Kama si vous pratiquez les relations. Kama muko na tumikisha ile mutendo. C'est un péché. Inakuya zambi. Oui, c'est un péché. Inakuya zambi kwa ukweli. Idolatrie. Inakuya kuabudu masanamu. Tu ne peux pas accepter que c'est parce que c'est mon fiancé. Awene kuchika juna sema njole mitaoa. Il peut me refuser. Atanikatala kama shibufanshie hivi. Mais Dieu te dit que c'est un péché. Na Mungu anakuambia sasa ni zambi. Mais tu regardes parce que c'est bien lui. Wewe unaangalia tu unasema njoo tu niyetaoa. Tu dis d'abord lui. Ah, nyanje po mbele yeye. Bien Mungu bila après. Après le reste après. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbie kuabudu masanamu. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbie le kuabudu masanamu. Oh, j'aime bien l'apôtre Jean. Bina penda sana mutume Jean. Il nous dit. Anatuambia. Nous l'aimons. Tunamupenda. Parce qu'il nous a aimé le premier. Kwani yeye tu alitupenda wa kwanza. Oh, il nous a aimé le premier. Alitupenda wa kwanza. Il nous a donné la vie. Alitupatia uzima. Il nous a donné la force. Alitupatia nguvu. Il nous a donné la santé. Alitupatia afya njema. Il nous a créé son image. Alituumba kwa picha yake. Il est mort pour nous. Alikufa juu yetu. Il est ressuscité pour nous. Alikufufuka juu yetu. Pourquoi on ne peut pas l'aimer? Juu ya nini atusamupenda? Pourquoi tu n'arrives pas à l'aimer? Tu y anina ufikia mukumupenda Yesu Kristo. Lui qui t'aime d'un amour inconditionnel. Yeye anakuya mapendo yasipo mipaka. Il t'aime jusqu'à l'impossible. Anakupenda paka mwisho. Lui est Dieu vivant. Yeye kwa Mungu mzima. Il était là au ciel. Alikuya kule kumbingu. Être adoré jour et nuit. Na busiku na uchana. Être adoré. Arebara kwa kupana ubudu. Il était adoré partout. Mais à cause de toi et moi. Mais juu yako na yangu. Il a décidé. Anabeba mipango. De quitter le ciel. Ya kuchuku toka kumbingu. Na kushuka pa chini ya bulongo. Et mourir. Na juu ya kufua. Accepter d'être frappé. Na bamupike. D'être injurié. Bamuchambule. On lui a craché au visage. Bari mutemea bikosi kumuso. Il a été bandi. Bari mupeleka. Il a été bandit. Abarimu popa, abarimu pika. Tout ni.
À cause de toi et moi, lui un Dieu vivant, lui un Dieu sans péché. Mais toi tu as tant de péchés pour l'aimer, ça devient difficile. Quelle ingratitude, quelle ingratitude. Tu peux accepter que les choses de Dieu s'abîment comme ça. Mais que tu t'écartes toi-même. Quelle ingratitude. Ce n'est pas par ta force que tu es là. Dieu qui t'a donné cette force. C'est Dieu. Il faut l'aimer. D'abord en lui. Le reste après. Il y a des idolâtres qui sont capables même d'avorter. Ils sont capables. Ils se disent en elles-mêmes que au lieu que bantu banyo ne bali cheke, au lieu que les gens me voient et puissent me rire, litoche tout que je puisse sortir ça. Akuna ula taniyua, il n'y aura personne qui va me connaître. Quelle idolâtrie. Wabudu kulemasana. Plus que quelqu'un sorcier. Kupita na muloshi. Plus que quelqu'un démon. Kupita na démon. Quelqu'un qui est capable de tuer quelqu'un. Ule muntu kona ile ueso ya kuwa muntu. Les sorciers tirent dans l'esprit. Muloshi eko na ro. Muloja na waka mukiro. Les sorciers tuent par l'esprit. Mais toi physiquement comme ça tu dis. Mais la kini wako mwili tu hivi una décider una uwa. Mais tu viens ici. Na unakuya kukandisa. Tu as même envoyé le feu sur les sorciers. Si on dit envoyer le feu aux sorciers. Oui, toi wa kwanza. Tu es le premier à envoyer feu. D'ailleurs il est mort toi de kupata tu wewe. Ah, quel feu là te consume toi-même. Ah, le feu là te consume toi-même de plus que les sorciers. Parce que tu le dépasses. Tu es capable d'accepter de ne pas perdre ta réputation. Mais que Dieu ne puisse pas avoir cette réputation-là. Vous quartier. Dans les quartiers. Vous êtes dans la Kuchamburi Shamungu. Tu es en train d'injurier Dieu. Mais comme pas comme Kanisa Jele Munendaka. Quelle église. Bamungu Bajem Naombaka. Quel Dieu vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de faire injurier Dieu. Tuya Kinyo Kyako. À cause de Kapuawayako. Tu es en train de faire injurier Dieu. À cause de l'argent, tu as bouchagati. À cause de l'impudicité, tu es en train de faire injurier Dieu. Tu as pour que les gens te connaissent, tu es en train de faire injurier Dieu. D'abord toi. Kwanzambe le reste après. Naibi bingino na chabadai. Fuyez l'idolâtrie ce soir. Tukimbie ile masanamu. Fuyez l'idolâtrie. Tukimbie le masanam. Et le pire idolâtre dans nos églises. Na usanamu yangu pusana ndana makanisa yetu. Ce sont les choristes. Ils aiment toujours chanter. Mais lors de la prédication, ils ne veulent pas écouter ça. Ils ne sont pas là. Il peut être là assis. Bon, il se dit que non, c'est le temps de partir. D'abord chanter. Kwanzambele kuimba. D'abord chanter. Kwanzana kuimba. Le reste après. Naibi bingine batai. Non, tu ne peux pas chanter si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Na awene kuimba kama uyaelewa mzuri sauti ya Mungu. C'est lui que tu chantes, c'est la parole. Uko na imba ni sauti ya Mungu. C'est la parole. Inakuya sauti ya Mungu. C'est pourquoi utaona baimbaji badoko musmen. C'est pourquoi tu vas voir peu de chantres dans la semaine. Parce que boba na imba kalo abo bien le dimanche. Parce que eux chantent bien seulement dans le dimanche. Il m'a fourni chaud à mon mardi à Ibn Teresse. Les enseignements là de mardi, non, ça ne nous intéresse pas. À Ibn Teresse. Ça ne nous intéresse pas. Bon,
se chanter seulement. C'est pourquoi ils chantent les cantiques d'autrui depuis qu'ils ont commencé. Depuis qu'ils ont commencé, toujours les cantiques d'autrui. Ils n'ont jamais composé leurs cantiques. Parce qu'ils ne veulent pas écouter les enseignements. Tu ne peux pas adorer si tu n'es pas enseigné sur l'adoration. Il y a la différence entre l'adoration et la louange. Kuko achaniso ya mabudu na kumusifu. Moi je ne suis pas vraiment fan de la louange. Mishikalake wapenda sana kumusifu. Mais aujourd'hui dans nos églises il y a beaucoup de louange plus que l'adoration. Mais leo makanisa mingi kuko le makusifu kwa mingi sana par rapport ya kumwabudu Mungu. Bananza ko tu priver tina kwa adoration. On est nous priver même dans l'adoration. La différence entre la louange et l'adoration. Achanisho le kopale adoration na kumusifu. La louange. Musifu, kumusifu. La Bible nous dit. Biblia natuambia. Que tout ce qui respire. Pale bote beko na kumusika. Loue l'Éternel. Ba musifu Mungu. Bandeke. Les oiseaux. Bala musifu Mungu. Ils sont en train de louer l'Éternel. Ba pagano. Le païen. Bala musifu. Ils sont en train de louer Dieu. Banyama. Les animaux bala musifu sont en train de louer Dieu. Michi. Les arbres ina musifu sont en train de louer Dieu. Louange de abantu bote. La louange c'est pour tout le monde. Mais l'adoration. Mais l'adoration. Yabale ba mupenda Mungu. C'est pour ceux qui aiment Dieu. Oui. C'est pourquoi tu peux voir les gens. Ils adorent paix. Tu vois comment t'as un abantu beko na putu kidoko. Mais ils louent beaucoup. Na beko na sifu sa. Jésus a dit, Yesu Christ anasema, que l'heure vient, wakati nakuya, elle est déjà venue, na inesha kufika, où les frères adorateurs, adoreront le Père, batamwabudu Bwana, en esprit, mukiro, et en vérité, namuaki. Il n'a pas dit, ashikuseme, l'heure vient, wakati nakuya, elle est déjà venue. Na inesha kufika. Où les vrais musiciens. Kule ba imbachi babia kweri. Chanteront en esprit. Bata imba mukiro. Et en vérité. Na muaki. Il a dit l'adoration. Anasema abudu. Oh, pour adorer Dieu. Juu ya kumabudu Mungu. Ce n'est pas seulement que la musique soit là. Aina paka musiki kuyepo. La vraie adoration. Mabudu ya biakweri. C'est ce qui sort dans ton cœur. Ile kona toka kur. Oh, aimer Dieu. Tupende kupenda Mungu. Ça doit commencer dans ton cœur. Ina paka kwanza mbele mu roho yako. C'est ça aimer Dieu. Ile kupenda Mungu. Il est mort pour toi. Eko mshuri juu yako. Tu peux l'adorer. Unaweza kumwabudu. Plus que les louer. Kupita kumusifu. Parce que la louange. Kwani kusifu. Même fali pupa. Ata fali pupa. Nous aussi t'es. Na yeye. Quand il se réveille. Kama na lamuka. Il peut dire. Anawesh kusema. Oh merci t'es. Wafako Mungu. De m'avoir réveillé. Kwa kunilamusha. Mais l'adoration. Mais lakini mabudu. C'est l'adoration. Ni mabudu. Qui est destiné qu'à Dieu faire. La sodegas. C'est pourquoi tu peux voir. Je crois que tu as honneur. De telles prédications. Ma, au pire, à Ivi. Elles sont vraiment rares. Ikoya. Rares, ça n'a yone kanake. Elles sont tellement rares. Ayone kanake. Pour les entendre. Tu as kushikia. C'est pourquoi je n'aime même pas aller dans des concerts comme ça. Je crois que je spendais quoi dans ma concert. Parce que là, il y a toujours les danses. Parce que quoi, ni moule, mouko pas ka kuchesa. Paix d'adoration. Na, ma boutou kido. Tu peux voir les gens commencer l'adoration même des minutes. On a aussi qu'on a battu pendant ça ma boudou, muda ma mufupi. Mais la louange prend même 8 minutes. Mais la kini kumusifu na peba ça yote mujim. Oh, vous nous privez de l'adoration. Muna tué kampembe ni chia kuwa boudou. Tu peux dire que notre louange même au ciel. Na on a aussi bien aussi mal kumusifu kwetu kunapanda kumbingu. Je vais te contredire sur ça. Mina wezu kataria pa ile. Là au ciel. Kule kumbingu. Il y aura. Kuko. Les gens qui aiment Dieu. Bale bantu banapenda Mungu. Ce n'est pas les louangeurs. Aina bakumusifu. Mais les adorateurs. Mais lakini bakumwabudu. Parce que là. Kwani kule. C'est lorsque tu aimes Dieu. Ni wakati unampenda Mungu. Que tu vas le louer. Jo utamusifu. Que tu vas l'adorer. Na utamwabudu.
Parce que au ciel, kwani kumbingu, il y a que l'amour, kuko mapendo, qui règne là, iko na tawala ku. À jamais il y a l'amour, kuko paka mapendo. Tant que tu n'aimes pas quelqu'un ici, ata kama upenda ke mutu huku, tu ne peux pas l'aimer là-bas. Ausa mupenda kule. Tant que tu n'aimes pas Dieu ici, kama upende Mungu hapa, tu ne peux pas l'aimer là-bas. Ausa mupenda kule kumbingu. Car d'abord lui, kwani mbele kwanzia po yeye, il a dit aime-moi de tout ton cœur. Na anasema munipende na roho yenu yote. Comment est-ce que tu peux aimer ton mari plus que Dieu? Juu ya nini utapenda bwana yako kupita Mungu? Comment est-ce que tu peux faire ça? Juu ya nini utafanya ile? Uko unase ah baba. Ya kila kiti ah baba, tu commences encore. Bwanangu ni shida mupenda nipende Mungu. Mon mari, au lieu de l'aimer moi que je puisse aimer Dieu. Il a dit de tout ton cœur. Anasema na roho yako yote. Yote. Sasa ye lui maintenant c'est lui qui va te donner un peu d'amour là pour donner à ton mari. Les vrais adorateurs sont les gens fidèles dans leur maison. Parce que comme tu aimes Dieu, il va te donner l'amour d'aimer ton mari, d'aimer ta femme. Je pars vers la fin. Je pars vers la fin. Mina telemuka kufika mwisho. Il y a les idolâtres des téléphones. Kuko pale babudu masanamu ya matelefone. S'il vous plaît nos bibles. Est-ce que tu n'as pas mouché ma bible? La bible dans le téléphone, les bibles. Tu l'as mouché ma bible yetu. Tuko bade. Eh ba trois. Nos téléphones. Tu l'as mouché ma téléphone yetu. Est-ce que tout le monde? Che boto mutu kuna ma téléphone. Ya $100 150 200. Cette Bible 15 000 pour l'avoir seulement c'est difficile. Tu as coupé ta Bible, il n'a qu'un goût. Les idolâtres des téléphones, parce qu'on a poudre ma téléphone plus que Dieu, coupé ta Mungu. Parce que la Bible, quoi, Biblia, c'est là où il y a les lettres d'amour de Dieu. Je coule kuko manjiko ya mabendo ya Mungu. C'est là où il t'aime, il te dit comment il t'aime. Je mule eko nasema namna kani fila na kupenda. C'est là où tu peux chercher comme le passage de cantique de cantique. Je mule tatafuta na ile passage ya cantique de cantique. Les gens disent que non, ça c'est. Les gens disent que ça c'est pour les impudiques. Non, non, les cantiques des cantiques. Cantiques des cantiques. C'est le véritable amour entre le roi et ses enfants. Ni mapendo ya biakweri kwa mufalme na watoto yake. C'est la plus grande révélation de la Bible. Ni ufunuo ya munene sana ndani ya Biblia. Entre l'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Le roi des rois. Mufalme wa mafalme. Qui vient épouser. Anakuya kuoa. Quelqu'un sur la terre. Mutumwa pabulongo. C'est pourquoi tu peux voir. Dieu kwamba taona. C'est difficile. Ni yanguvu sana. Que quelqu'un puisse adorer Dieu à genoux. Mutu abudu Mungu kumakoti. Il regarde ses habits. Anangaria mavazi yake. Je suis bien habillé. Ah, je vais abîmer ça. Il y a la biche tout mangwango na busuri. Ah, que je puisse abîmer mes habits comme ça, non. Amupende Mungu. Tu es idolâtre de ton habit. Uko wa kuabudu, uko na budu ma mavazi yako. Les gens qui sont idolâtres de leur téléphone. Bantu balibeko na budu ma téléphone yabo. Il peut avoir la Bible dans son téléphone. Anaweza kuya na Biblia ndani ya téléphone. Mais toute la semaine il ne lit pas ça. Juma yote muzima ashisomaki. Il vient ici. Anakuya huku. Il a son téléphone. Anakuwa na téléphone. Même quand je prêche ici. Atapa miko na ubiri. Il est en train de chatter avec son copain là dehors. Yeko na sumburia na ule mwingine kwa nje. D'abord son téléphone. Bele téléphone yake. Le reste après. Na hii bingine binafuata baadaye. Il est intéressé. Tu aimes ton téléphone partout. Unapenda telefoni yako fashi yote. Tu as ton téléphone partout. Uko na telefoni yako fashi yote. Le matin quand tu te réveilles. Kama tu nalamuka usubuhi. Tu ne cherches pas d'abord Dieu. Tu cherches ton téléphone. Bele una tafuta téléphone facile. Pour lire les messages. Juu wewe usome mamjumbe ile banatuma mule. D'abord ton téléphone. Bado mbele téléphone yako. Qui est devenu ton idole. Inakuya idole yako. Tu deviens idolâtre de ton téléphone. Unakuya mwabudu wa téléphone yako. Dieu après. Na Mungu baadaye. Tous les jours tu achètes des mégas des unités. Siku yote uko na usa ma mega na ma unité. Tous les jours. Siku yote. Mais pour venir offrir pour Dieu. Juu ya kwa kutowea Mungu. Ile unakuwa kama mtowea Mungu. Sasa chote tu viens offrir à Dieu. Kama Mungu akwa mtu sasa kupika atakapata. Si je le tek
comme un homme, il allait te gifler. Pour les unités, les méga, tu trouves ça chaque jour. Tu as pour partager ma bizarrerie. Pour partager si c'est quoi là-bas sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Et pour chatter avec l'autre là. Alors, l'argent pour offrir à Dieu. Toi, ça ne t'intéresse pas. Il faut que tu puisses d'abord chatter avec lui. Et Dieu après. Tu aimes beaucoup prier. On appelle à kuomba sana. Mais tu n'aimes pas Dieu. Mais la qui n'a upende Mungu. Tu aimes beaucoup chanter. On appelle à kuimba. Mais tu n'aimes pas Dieu. Mais la qui n'a upende Mungu. Mais pour que Dieu te donne ce que tu as besoin. Tu es à Mungu à kupatia kiloko na kila sima. Il faut que tu puisses l'aimer. Il n'a fallu mais l'upende. C'est pourquoi les apôtres. Dieu les apôtres. Parmi tous mais. Ont accepté la décapitation. Barichika kuiba uwa kubapika pour Jésus. Tu es Yesu Christo. Parce qu'il s'aimait Dieu. Kwani baripenda Mungu. Oh si tu aimes Dieu. Na kama unampenda Mungu. Tu peux accepter. Unaweza kuchika. Kontenjiri. Bakuchambule. Pour Dieu. Tu es Mungu. Que tu dois enfamer. Unaweza kulala na chala. Pour Dieu. Tu es Mungu. Il ne faut tout que on a manqué bien cours. Lorsque tu vas manquer à manger. Ah, j'abandonne même l'œuvre de Dieu. C'est comme si papa et maman dans la maison. Si maman prépare le fait de manioc avec sel. Et demain il va préparer ça bien. Et tu vas voir qu'il y a cet amour là. Alors toi, lorsque tu vas tomber malade et tu vas dire que non, tu vas te dire que non, j'abandonne. Comme ça. Toujours dans la bénédiction des mariages. Baraka ya mandoa. On dit dans les bons et dans les mauvais jours. Mubizuri na mubibaya biote. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Paka pale lufu itatuachanisha. C'est comme ça avec Dieu. Jo paka file na Mungu. Dans les bons Mubizuri. Et dans les mauvais jours, na mubibaya, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lufu oh, avec Dieu, na Mungu, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lufu c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit comme Paulo na qui nous séparera de l'amour de Dieu. Na ya Mungu. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que njala? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que kukosa mafasi? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que ni mateso? Est-ce que c'est le temps moment et le moment à venir? Est-ce que ni mui wakati tuko nendamo? Ou bien le moment à venir? Mwile wakati tafika. Qui nous séparera de l'amour de nani Dieu? Atatua chanisha na mapendo ya Mungu. À cause de la pluie, tu ne peux pas venir à l'église. Juu ya mvule na pika wo na lofa kukanisa. Mais si c'est au boulot, tu pars même avec la pluie. Kama ni kukazi utasiporte ulobane mvula njuu fike kukazi. Pourquoi tu ne peux pas aimer Dieu? Juu ya nina usapenda Mungu. Qui te passe ton boulot? Ula na pita kazi yako. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nani atatua chanisha na mapendo ya Mungu. Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que nakuya ni mvula? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ila na wesu chanisha na mapendo ya Mungu. Est-ce que c'est la souffrance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Lui il nous aime. Même dans la souffrance il nous aime. Il est la seule personne qui est mort pour nous. Ton copain même s'il te dit qu'il t'aime comment? Un jour il va te trahir. Siku moya atakutoka. Mais lui, Shimaye Mungu. Il ne trahit jamais. Ashikata lake mutu. Ton parent même s'il te dit qu'il t'aime comment. Atamuzazia kana kwambia sema mimi sikupenda sana mtoto yangu. Il peut te trahir un jour. Mais siku moya atakukata. Parce qu'il peut mourir. Kwani anawezi kufa. Mais lui, mais yeye. Il est mort à notre place. Alikufa pa fasi yetu. Oh my God. Yes. Ton boulot même s'il te l'aime comment. Même si tu l'aimes comment, un jour ça va te trahir. Shikumoya.
tu risqueras de tomber dans la faillite. Mais avec lui, c'est bien lui qui nous relève. Même si nous tombons, il nous relève. Parce qu'il nous aime. C'est pourquoi on l'appelle. C'est pourquoi on l'appelle. Moninga malamu. Mungu mzuri. L'ami fidèle. Rafiki mzuri. L'ami de tout l'état. Mungu rafiki wakati yote. Tu peux dire ton problème à ton ami. Unaweza kuambia mambo yako kwa rafiki yako. Tu peux aller te critiquer. Anaweza kwenda kusarau. Mais lui. Mais lakini yeye. Il ne peut jamais nous critiquer. Asende kusarau. Parce qu'il nous aime. Kwani anatupenda. Il nous aime. Anatupenda. Il nous aime. Anatupenda. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Na nini natuachanisha? De son amour. Na mapendo yake. Même la mort. Même la mort. Atalufu. Ne peut pas nous séparer de son amour. Na ile mapendo yake. Même la distance. Ata bulefu. Ça ne peut pas nous séparer de son amour. Aïe, na tuachanisha na mapendo yake. Oh, kama mina penda Mungu. Si j'aime Dieu. Takuya tamu cité. Je serai même à la cité là. Mitakuya kumupenda takuya umu. Mais je viendrai toujours ici à l'église. Si je l'aime Dieu, je peux être même dans une grande distance là. Mais je vais chercher toujours Dieu. Parce que je l'aime. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Tu dois l'aimer de plus que ton ami. Tu aimes ton ami. Chaque jour. Si tu lèves. Tu vas le chercher. Mais si tu ne vois pas ton ami Dieu, tu ne viens pas le chercher. Pourquoi tu peux aimer ton ami de plus que Dieu? D'abord Jésus. Kwanza Mungu. Le reste après. D'abord Jésus. Kwanza Mungu. Le reste après. Il y a d'autres qui disent que non. Le temps est passé. Le temps est passé. S'il est devant, il est en train de regarder le sport. Il est en train de regarder le match. Ça peut même se suivre, même trois matchs successivement. Il doit suivre toujours jusqu'à la fin. Il va suivre ça jusqu'à la fin. S'il est devant une série. Kama eko ku série. Il peut faire même toute une nuit. Il est en train de suivre. Mais pour Dieu. Mais Dieu à Mungu. Pour écouter la parole. Dieu a kushikia sauti ya Mungu. Oh, le temps passe. Wakati kuna pita. Que ça inapita. Le temps passe. Akate maubir. Puis couper la prédication. Mitakata maubir. Je vais laisser la prédication. Mais je vais te rappeler quelque chose. Sache que si tu vis, c'est à cause de lui. Et lorsque Dieu va rentrer, ne viendra pas récupérer n'importe qui dans l'église. Mais il viendra récupérer ce qu'il aime. Parce qu'il viendra choisir son épouse. Il viendra prendre son épouse. Quelqu'un qui l'aime vraiment. Ula namupenda. Qui l'aime. Namupenda. Difficile. Tu vas voir difficilement. Quelqu'un dans l'adoration, il est en train de pleurer. Parce qu'il ne savait pas que c'est une femme de Dieu. Mais comme je sais. Dieu a nini mina chua. Je l'aime. Mina mupenda. Oh, dans l'adoration, je vais pleurer. Dans ma bouche, mina weskuria. Je vais partir même à terre. Mina weskula latachi. En train de l'adorer. Dieu a kumwa butu. Parce que je l'aime. Kwani mina mupenda. Je vais pleurer. Mina weskuria. Je vais pleurer. Mina weskuria. Oh, tu ne peux pas pleurer devant Dieu. Awe ne kuria mbele ya Mungu. Mais devant ton copain qui t'a déçu. Bele ya abala yako ule anakukatala. Tu peux aller à genoux. Unawezi kupika na magoti. Monsieur, unipende ko s'il vous plaît, une seconde chance. Même seulement. S'il te plaît, j'ai ta fanya ten kanko sakri moi à tous s'il te plaît. Mais pour Dieu. Dieu ya Mungu. Aude na magoti. Tu ne peux pas aller à genoux. Au taria. Tu ne peux pas pleurer. Ça bari ya bari. Ah, ce qui fait pleurer, père. Tu ne sais pas qui tu viens à l'église. Tu viens à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui aime de plus que tous. Même si je suis malade.
Même hata kama niko mgonjwa. Je vais l'aimer. Mita pasha kumupenda. Je vais venir à l'église. Mina pasha kuya kukanisa. Mina semaka. Je dis souvent. Bien là, j'arrive au niveau là, j'échoue même de soulever ma jambe. Je ne serai pas à l'église. Lorsque j'ai la vie, tant qu'il y a la vie dans mon corps, je ne peux pas oublier que cette vie-là, c'est bien lui qui m'a donné ça. C'est pourquoi je suis obligé de venir lui chercher ici à l'église. Je suis obligé parce qu'il m'a aimé. Mais le fait là de venir à l'église, ce n'est pas parce que je viens de lui parce payer, mais parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est beaucoup. Beaucoup entre, dans mes amis sont même déjà morts. Mais comme moi, je suis encore c'est vivant. Je suis venu à l'église. Je vais lui donner quoi? C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un chante. Je te donne tout. Mais l'impétuosité ne le donne pas. L'effort ne le donne pas. Son temps ne le donne pas. Son travail ne le donne pas. Alors tu lui donnes quoi? Même tes habits, tu refuses de lui donner. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. C'est pourquoi tu vas voir le moment de l'adoration. Lorsqu'on dit d'adorer Dieu, les gens là-bas, ils sont en train de regarder s'ils regardent quoi. Ils regardent l'autre là, il est en train de pleurer. Il est en train de regarder, il pleure quoi? Je ne peux pas comprendre ça. Oh, je suis reconnaissant. Mina chua. Pour ce qu'il a fait pour moi. Il a fait tant de choses pour moi. C'est pourquoi je suis obligé de l'aimer. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et qu'il bénisse sa parole. Abariki sauti yake. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse passer seulement. Jésus. Un temps dans l'adoration. Et avant tout, peut-être qu'il y a quelqu'un. Il n'a jamais aimé Jésus. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. C'est Jésus qui est mort pour lui. Malgré peut-être que tu viens à l'église. Tu n'as jamais donné ta vie. Tu n'as jamais reconnu son amour dans ta vie. Tu n'as jamais reconnu son amour dans ta vie. Je te dis ce matin qu'il t'aime plus que toi-même. Anakupenda kupita wewe mwenyewe. Il t'aime plus que tes parents. Anakupenda kupita wazazi. Il t'aime plus que ton travail. Anakupenda kupita kazi yako. Il t'aime plus que tes amis. Anapenda kupita warafiki yako. Il t'aime plus que l'alcool. Anapenda kupita watu wote. Il t'aime plus que toutes choses dans ce monde. Anakupenda kupita vitu vyote hapa chini. Jesus. Si tu peux décider de lui donner ta vie. Kama unaweza kubeba mipango ya kupeleka maisha yako kwa Yesu. Il va remplir ton cœur de son amour. Il va remplir ton cœur de son amour. Tu vas y arriver aussi de l'aimer. Parce que tu ne peux pas l'aimer si tu ne l'acceptes pas. Oh, si j'aime ceci, je ne peux pas avoir honte de quelqu'un. Si je vois ce qui est en train de fumer les chambres, il fume partout. Ils n'ont pas honte. Mais si moi aussi j'aime Jésus, je suis de plus que celui qui est en train de fumer. Viens donner ta vie à Jésus ce matin. Lui, il t'aime. Il t'aime plus que toutes choses. Il t'aime plus que toutes choses. Lève-toi là où tu es. Viens donner ta vie à Jésus. Il t'aime. Il t'aime. Viens. Ne pas voir honte. Lui, il est décédé sans habit. Pourquoi toi tu peux avoir honte? Même si on t'a déjà baptisé. Peut-être
Sassigine, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. J'ai donné ta vie à Jésus ce matin. J'ai donné ta vie à Jésus. Lui, il t'aime. Non, nos yeux fermés, s'il vous plaît. Nos yeux fermés. Il reste quelqu'un. Toi qui es là, lui il t'aime davantage. Il t'aime. J'ai donné ta vie à Jésus ce matin. Car il est mort pour toi. Oh merci Jésus. Il reste toi, il reste toi. Il reste toi. Il reste toi. Dieu il t'aime. My God, nous allons prier. Nos yeux fermés, s'il vous plaît. Oh, Dieu est là au milieu de nous. Il a rempli son amour quelqu'un. S'il vous plaît, on peut se tenir debout. Et prions ensemble avec ces gens qui sont devant. Ces gens qui n'ont pas eu honte de Jésus. Ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Oh, devant toute l'assemblée. Devant toute l'assemblée. Oh, Jésus les voit déjà. Parce qu'il les aime. Ils sont reconnaissants de l'amour de Jésus. Nous allons répéter ensemble. S'il vous plaît, nos mains levées. Prions cette prière de tout notre cœur. Déclarons au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus. J'aimerais que ça puisse être de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends mon cœur. Prends mon âme. Fais de mon être ta demeure. Fais de mon être ta demeure. Asante Dieu Koufa Moussalaba Dieu Makosayang. Mais attaquant, il répétait la roya koyote. Asante doa kufa musalaba doa makosa yangu. Kwanzia leo na decide kupacha maisha yangu yote. Beba wakati yangu. Beba byango byote. Fanya na maisha yangu kilu unataka ikuye. Je te donne mon corps. Je te donne mon âme. Je te donne mon être entier. Minataka ikwembele weye kya kwanza. Ibi bingine bifata pre. Minataka nyande kukupendeza paka weye. Ibi bingine bifata pre. Asante dwa kufwa juu yangu. Asante doit qu'on épende à ma peine dans yangu vivi. Je vais prier. Éternel Dieu tout puissant. Éternel Dieu tout puissant. Voici ton peuple au milieu de nous. Baba 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 ne chika tu yako. Baba uba bébé. Uba chance. Uba tawale. Fada na maisha yabo ikwe demere yako. Viens règne dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Remplis-les de ta puissance. Parce qu'il n'y a pas de vous. Dieu va t'aouessa. Mais il n'y a pas de vous yako Yesu. Seigneur Dieu, ou va t'aouala jamais. Remplis-la de ta puissance d'amour. Que ta force, Père, puisse l'impacter. Puisse la dominer à jamais. Que ta force, Père, puisse la dominer à jamais. Par ta force toute puissante. Yahweh, moi, pousse pour idolâtrie haute. Ou vous essayez, chaque fois, de pas qu'à ouéna ouépec. Maïcha yakeyote. Au nom de Jésus de Nazareth.
Éternel Dieu tout-puissant, Yehuya a décidé. Naroya Kayota ou Pachawa Ishayai. Baba, wande vous coordonner. Wande vous diriger. Vaya la Baishayai qui nous attaque. Ou vous saïdi. Akouye qui nous attaque à tout yai. Saint-Esprit. Ou m'impacte. Ma pendo ya comme Maishayai Kebouan. Ishi diminué. Yonge seka jamais. Itawana jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ton règne règne dans leur vie à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Tout le monde pour tout le monde. Dans peu de minutes. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Mungu wa salama ni wewe. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tunainua jina lako juu ya majina yote Baba. Nani mwingine kama wewe Mungu. Jina lako litukuzwe. Aleluya. Yako baba acha sifa na shukurani yote urudi kwako wenzo Mungu baba wa salama baba dunia nzima ni wewe. Yo soy Simba Manayo.
colo.